Dans le prochain épisode de L'Amour est dans le Pré diffusé ce lundi 18 septembre et déjà disponible sur 6 Play Max, la situation est compliquée de bon matin entre Thibaut et Bastien, les deux candidats de Julien. En effet, l'un d'entre eux ne s'est manifestement pas levé du bon pied, et cela, à cause des ronflements de l'autre. Le deuxième jour à la ferme commence pour Thibaut et Bastien. Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs suivent avec beaucoup d'attention les aventures amoureuses des agriculteurs de la 18e saison de L'Amour est dans le Pré. Parmi eux, Julien, un ancien prétendant du programme qui est depuis lui-même devenu agriculteur. Cependant, le célibat a commencé à lui peser ces dernières années, ce qui l'a poussé à candidater à l'émission dans le but de rencontrer l'homme avec lequel il fera sa vie. Il a alors eu pendant le speed dating un véritable coup de cœur pour Thibaut et Bastien dont le séjour à la ferme ne fait que commencer. Et il semble déjà que la tension soit à son comble entre les deux jeunes hommes qui veulent le conquérir. L'amour est dans le pré, Thibaut très en colère contre Bastien après leur première nuit à la ferme. Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré diffusé ce lundi 18 septembre et déjà disponible sur 6 Play Max, la situation est extrêmement tendue de bon matin du côté du Thibaut. Très content d'être là, là-dessus il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas super bien dormi vu que j'ai un voisin de chambre qui s'appelle je crois Bastien qui a ronflé toute la nuit et qui a parlé. C'était top, a-t-il confié avec ironie à la caméra, avant d'ajouter, donc j'ai hésité entre aller le tuer ou essayer de me retourner et de me rendormir. Mais je pense que lui a très bien dormi. Et il semble bien que ce soit le cas, puisque pendant ce temps, Bastien et Julien sont ensemble en train de s'occuper des vaches laitières et ainsi de passer un petit moment privilégié à deux. Ça ne sera pas un pote, Thibaut, l'amour est dans le pré, est prêt à tout pour conquérir Julien et compte bien le faire comprendre à Bastien à leur retour. Thibaut n'a pas hésité à piquer à plusieurs reprises Bastien quand celui-ci lui a demandé s'il avait bien dormi. Je me suis levé, il était quoi, 2 heures, 2h30, bah quand tu as commencé à ronfler et à parler quoi, lui a-t-il balancé, avant d'ajouter, c'est terrible. Non, mais vraiment, c'était insupportable. Je me suis dit je vais me lever, je vais faire un meurtre. Je vais faire un meurtre. Bastien lui a alors fait remarquer qu'il a réussi à passer une bonne alors qu'il était à proximité de la chaudière et que celle-ci faisait du bruit, un argument qui n'est manifestement pas passé. Oh oui le pauvre. Oh non zut, il était à côté de la chaudière. Le pauvre Bastien. Je ne supporte pas Bastien. On est complètement différents Bastien et moi, complètement. C'est le jour et la nuit. Ça ne sera pas un pote et il va très vite comprendre que sa place n'est pas là, a-t-il ensuite affirmé devant les caméras de la production. Il ne fait aucun doute que Thibaut est prêt à tout pour conquérir son bel agriculteur et ne compte pas laisser Bastien se mettre en travers sa route.